Hey hey hey, cucu mes petits culs et bienvenue pour ce tout premier épisode de la saison 2 des Hunger Games sur les Sims 4. Si vous n'avez pas encore vu la saison 1, je vous invite à aller la regarder tout de suite où je vous explique un peu le principe. C'était basé sur le thème de Game of Thrones qui est un peu ma série d'amour préférée à moi. Et cette fois-ci pour la saison 2, j'ai imaginé, comme vous l'avez vu de toute façon, Disney et les princesses Disney qui vont se battre pour épouser le prince Disney. Nous avons donc devant vous un beau panel de princesses: Cendrillon, Réponse, Belle, Jasmine, Aurore, Blanche-Neige, Ariel et Elsa. Évidemment, il en existe encore pas mal d'autres, mais moi je les connais pas toutes. Donc j'ai fait un petit panel de celles que je connaissais un peu plus ou moins, parce que moi, niveau Disney, je suis pas très calée, donc j'ai fait au max et nous avons un superbe château qui nous a été construit. Bien sûr, c'est pas moi qui l'ai fait. Je vous mettrai l'ID origine dans la description, bien sûr, de là où je l'ai pris. Ces princesses vont bien sûr pas se battre comme dans Game of Thrones, donc il n'y aura pas de pipi, il n'y aura pas de je tombe de sommeil. Non, on est des princesses, c'est quand même un peu plus classe quoi, on est dans Disney aussi, on va pas commencer à faire des trucs un peu sales. Du coup, elles vont s'affronter sur d'autres challenges que je vous invite à rejoindre tout de suite. Premier challenge et première élimination, c'est parti. Nous voilà donc sur le terrain qui est voisin avec le château. Nous sommes même chez le prince, qui est d'ailleurs parmi toute cette foule de demoiselles. Il fait « Oh, de la chair fraîche, ah bon, oui, je veux bien, oui, laquelle de ces 8 demoiselles je dois prendre par derrière, ah !» Non, du coup, pas encore mon petit chat, t'inquiète pas, le tour viendra où tu feras connaissance avec ta dulcinée. En attendant, c'est une épreuve de peinture qui va les attendre chacune, oui. Comme ça, on est bien. Alors, on va commencer avec la première. Je vais leur faire 3 toiles de 100 simflouz chacune. Et si à la revente, à la revente de ces 3 toiles, la princesse qui y aura le moins bon montant sera donc éliminée du game. Exécutée, évidemment. On est peut-être les Disney, mais ça reste des Hunger Games, quoi. Allez, tu vas commencer une toile représentant les Sims, une toile représentant des Sims. On va faire ça avec tout le monde. Et voilà, regardez-moi comme elles sont toutes mignonnes et qu'elles courent toutes. Oh oui, je vais vite faire des dessins pour mon dulciné, pour qu'il puisse apprécier mes talents d'artiste.
Alors que lui, ben, il comprend rien, quoi. Il était ah oui, d'accord, mais pourquoi elles sont toutes parties, elles? Ben, moi, je veux bien les accompagner dans leur art. Oh, comme c'est beau. Oh, comme c'est beau de voir toutes ces petites demoiselles devant leur chevalet, prêtes à apprendre la peinture. Voilà, ça a l'air d'être des chefs-d'œuvre, hein. On est d'accord, ça va être superbe, je le sens. Tandis que le prince commence déjà à discuter avec l'une d'entre elles. Ah, oh, mon bichet, tu as déjà choisi réponse? Ah, oh, mais peut-être qu'elle sera éliminée, peut-être qu'il va la déconcentrer et qu'elle fera des toiles qui valent moins d'argent. Ah, on verra. Ah, tandis que nous avons Belle qui commence sa deuxième toile déjà. Très bien. De toute façon, c'est pas un concours de rapidité. C'est de la qualité qu'on cherche, madame. Donc, qui est la deuxième à avancer? C'est Ariel. Très bien. Ah bah dis donc, encore une œuvre d'art, hein. Ça, c'est superbe, hein. Ça enchaîne. Réponse a commencé sa deuxième toile. Cendrillon va la commencer. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Il y a que Blanche-Neige qui est encore un peu coincée. Et Elsa. Tandis que Monsieur le Prince a légèrement peut-être une préférence pour les blondes, vu que maintenant il commence à discuter avec Aurore. Je pense que Blanche-Neige a carrément un train de retard. Après, elle peut très bien s'appliquer également. Au niveau des traits, j'avoue que je ne sais plus ce que j'ai mis. Peut-être que ça influera aussi. Peut-être qu'elle est perfectionniste d'ailleurs, j'en ai aucune idée. Non, elle est proche de sa famille joyeuse et adore la nature. Donc rien à voir et elle attaque enfin son deuxième toile tandis que ses concurrentes ont atteint déjà le niveau 2 de la peinture. Ah, Belle et Ariel sont sur leur troisième toile toutes les deux. Et réponse est la première à avoir fini de faire ses toiles. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Non, 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 tu vas pas discuter avec les gens. Tu viens ici et tu attendras les résultats. Ah là, elles ont presque toutes fini leur toile. Il reste que Aurore qui continue de discuter avec le prince. Donc peut-être qu'il y a peut-être une préférence qui est marquée ici, mais ce sera pas toi qui décides, mon petit bon prince. Alors, on réunit les girls et puis on va commencer à faire les annotations. Nous allons donc prendre les toiles de Cendrillon tout de suite et les trois toiles montrent à 446. Les trois toiles donc montent à 446 simflouz, je le note. Ensuite, réponse. Je dis pas de bêtises, tu étais là, c'est effectivement là. Clac, clac et clac. Les trois toiles font 447. Réponse est sauvée. Je ne sais pas pour le reste. Belle, tu as donc ces toiles ici. On va les mettre dans ta besace et elles valent 424. Ouh là 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 là. Belle est très mal barrée. J'en suis désolée pour elle. Jasmine, tu as fait ces superbes toiles. On va les mettre aussi dans ton inventaire. Et le résultat, c'est 457. Ensuite, c'est Aurore, la préférée du prince pour l'instant. Est-ce que ça lui a porté chance ou pas? 435. Donc, pour l'instant, elle est sauvée. Belle est vraiment. Eh ben, dans une belle merde, hein, c'est ça qu'on puisse dire. Blanche-Neige a fait ses toiles ici. On va voir le résultat. 433. Alors, nous avons ici Ariel qui a fait ses trois toiles. 391. Oh là 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 là. Aïe 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 aïe, Ariel, Ariel, Ariel. Oh, la seule rousse du game, elle va se faire éliminer, quoi. Dernière chance, c'est Elsa qui a fait du caca. J'ai très peur. Attention, attention. 419. Bon, et ben voilà, c'est malheureux, mais la seule rousse, Ariel, va donc déjà perdre pour ce premier épisode. Et va donc décéder. Je suis désolée, ma belle. Je comptais sur toi. T'étais la seule rousse. T'étais magnifique. Mais malheureusement, c'en est fini pour toi. Tu es le maillon faible de ce Hunger Games Disney, la sentence est irrévocable. Tu dois mourir. You must die. Quoi de mieux pour une princesse sirène que de mourir noyée dans une piscine? Donc bon, pour le coup, comme ses besoins étaient remontés au top, il faut attendre un certain temps avant qu'elle se fatigue. En attendant, elle fait des longueurs et quand elle en a marre, eh ben, elle patauge et puis on va bien finir par arriver à la tuer. Patience, patience, je guette.
Bon, ce qui est sûr, c'est qu'elle va finir par se pisser dessus avant de mourir noyée. Oh là, oh là là. Ça va être propre, tiens. Bon, eh ben c'est un petit pipi dans l'eau. Au moins, elle est débarrassée de quelque chose qui l'embêtait un petit peu. Alors, la fatigue commence à arriver. Ouh là 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 là. Elle va être épuisée dans quelques minutes. 3, 2, 1. Et hop! Normalement, elle est épuisée maintenant. Allez! Ah bah non, elle a encore un dernier espoir. Dans 3 heures, elle s'évanouit. Donc on va attendre 3 heures. C'est long. Ça y est, le compte à rebours est passé sous 1 heure. Dans 38 minutes, c'est la fin pour Ariel. Ça y est, ce sont les toutes dernières minutes. Vraiment, quelle tristesse pour cette belle jeune fille absolument pétillante, rousse, aux beaux yeux bleu vert, qui va donc mourir tristement seule dans la piscine du château. Pour une sirène, ça la fout mal, hein. Mais bon, c'est comme ça, ma belle. Tu sais quoi? Il fallait savoir et apprendre à dessiner pour ton prince. C'est la douce récompense que tu reçois. Eh, on n'est pas à Disney, hein. On est dans les Hunger Games, version Disney. Tandis que la faucheuse remplit son office pour emporter l'âme d'Ariel dans un peu, sûrement un monde meilleur d'ailleurs, un monde où elle ne se fera pas tuer pour avoir moins bien dessiné que ses copines. En tout cas, je l'espère pour elle. Allez, douce faucheuse, emmène donc cette imprudente aux doigts cornus qui ne savent pas peindre. Et puis, on se voit la prochaine fois, faucheuse. Et vous aussi, j'espère que ce premier épisode des Hunger Games version Disney vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, liker et partager la chaîne. Et on se retrouve très bientôt pour un deuxième épisode. Ciao!